tout moun kap gade video sa, konen ke yon nan pi gwo objektif ke m genye, se cheche informasyon pou nou avek intelijans. Mwen tande? Mwen dil bien, avek intelijans. Paske wè la, ebyon wè, le ke m te fin pale de Kore du Sud, ebyen gen an pil moun ki deside, wè, ki deside pou yo ale Kore du Sud. Men pa bliye, ke Kore se pa yon ti peyi. C'est pas un petit pays que lié. Actuellement là, c'est 10e. Ouais, 10e puissance économique mondiale. C'est-à-dire que ça, c'est pas un jouet. Et ça pi bel lan, kore bon possibilité le ko rive là-dedans pour ka vinn gen papier. Eh bien, pour ka certifier si ou même ou aller ou bien passé, ou supposé ouais ki jan l'autre étranger a vive le que yo Corée du Sud, ça important pile parce que nous connaît bien. Corée du Sud c'est un pays qui poko gen en pile haïtien. Eh bien, puisque le poko gen en pile haïtien pour nous pas dire pas gen haïtien même parce que nous connaît que le gen haïtien, eh bien ça qui important, ou supposé ouais au moins ki jan lot étranger yo yo même y a vive Corée du Sud, ça important en pile. C'est ça que fait jodi an. Ou pral wè ki jan étranger yo a vive Corée. Et ceci c'est pas n'importe qui étranger non africain parce que là que c'est l'autre nation yo nou gen comme exemple, nou doit dire bon là ça ou pou ko convaincre que vraiment si yon étranger aller dans pays ça la bien vive surtout l'autre nation c'est blanc yo, nous même nous c'est noir. Eh bien, qui ça qui important? Nous supposer ouais qui gens africains yo a vivre. Et là qu'on regarde vidéo ça, si que c'est Brésil ou y est pas courir fait tête chaud. Vous entendez moi parler avec nous clair, moi sincère ensemble avec nous. Pas courir fait tête chaud pour qui ça parce que il pas possible pour ou marcher à vivre dans pays illégal. Si qu'on pourrait aller vraiment ou supposer analyser en pile parce que ou pas besoin visa pour aller dans pays ça. Ouais vidéo ça moins plus dédié à haïtien qui vivent à Haïti yo avec Saint-Domingue parce que moun sa yo ce sont des moun qui gen moyen nan men yo et ceci qui t'a remet aller dans yon l'autre pays mais yo pas joine opportunité et bien là ou gen choix ou ka choisi Corée du Sud ou après qu'on fin gade vidéo ça ou pral décider qui ça pour faire mais ou planifier. OK, ou planifier pour pas à la n'importe qui façon parce que ou connaît bien le que ou al nan pays sa yo ou dépenser en pile pour aller ou pas ta remet aller ou pas joindre résultat. C'est ça que fait m'ap toujours bon vidéo, m'ap toujours fait tout moyen possible pour m'ka montrer qui gens que pays a. C'est une façon le que décider pour aller l'arriver ou ap gen en pile connaissance de pays sa et puis tout comme ça qu'on pral investir pour aller ou pas perdre. Et bien voilà, on garde vidéo ça, on garde l'ensemble. Nous pas regarder yon vidéo ensemble pour nous gens que africain yo a bien passé. Ouais, yon pays depuis que ou là dedans ou gen possibilité étude. Et ceci après étude ou ka travail ou ka fait business, et bien pays ça, c'est yon pays que ou ka aller. C'est yon pays que ou ka vivre. Et en plus, yon nan gros bagay depuis gen sécurité. Et puis tout condition de vie moun yo normal, eh bien ou ka vivre là-dedans. Pas oublier, si yon moun li même li vive Haïti, li vive Saint-Domingue, m'pa bon menti, pa gen l'autre pays il pa vive, surtout yon pays tankou Corée du Sud qui c'est yon pays qui c'est 10e puissance économique mondiale. Et c'est place Brésil que le prend, oui, qui vient tomber en 13e position et puis tout Corée lui-même li vient en 10e position. On nous garde vidéo. On nou wè ki jan afriken yo a bien passé. Ou lò fin gade l? Après ça, ou pral décide ki sa vle. Ou pral kore ou bien ou pa pral li. Parce que voyage ça n'a préparé l'ensemble. Ouais, m'a préparé l'ensemble avant. S'il le faut pour m'accompagner, m'a fait ça parce que nous supposé rive kore pour nous al créer yon communauté derrière. On nou gade vidéo. Tous les matins, Bénédicte Kwame presse les pas pour se rendre à son cours de langue. Passage obligé pour tous les étudiants étrangers inscrits dans cette université. Mais ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas dans une université européenne ou américaine. Nous sommes en Corée du Sud, au Sunmul University, dans la province de Chungcheong, à une centaine de kilomètres de la capitale Séoul. Bénédicte vient de la Côte d'Ivoire. C'est en 2015 qu'elle intègre cette université avec une bourse de 5 ans d'une valeur de 20 millions de francs CFA, obtenu grâce à une communauté coréenne basée à Abidjan. Je n'ai pas vraiment choisi la Corée, mais j'ai été
poussée par mon père, qui a voulu que je parte en Corée parce que lui-même, il était déjà ici. Et par curiosité aussi, je suis venue en Corée. Créé en 1972, le Sun Moon University compte 10 000 étudiants inscrits, dont 33 Africains et 6 Ivoiriens. Si cette destination intéresse de plus en plus d'Africains, en particulier des Ivoiriens, la langue coréenne, quant à elle, demeure la véritable contrainte pour ces aventuriers du savoir. Ici, il faut travailler plus que les autres. Même si l'autre a 90%, tu dois travailler encore plus que 90%. Foreign students are very... Le plus souvent, les étudiants étrangers sont de grands bosseurs. Je les aime bien. J'ai beaucoup d'estime pour eux, particulièrement Kwame. Elle est studieuse et a de très bons résultats. Les pressions académiques ne sont pas les seules difficultés auxquelles doit faire face Bénédicte. Avec une bourse qui couvre à peine sa scolarité, la jeune fille de 23 ans exerce de petits boulots. L'éducation et la formation sont une véritable obsession en Corée du Sud. Le pays y consacre chaque année un peu plus de 5,31% de la richesse nationale. Un modèle qui séduit. En 2016, quelques 100 000 jeunes du monde se sont rendus en Corée du Sud pour des études dans les 600 universités du pays. Le gouvernement a instauré des mesures incitatives, assouplissement des conditions d'obtention de visa, accroissement du nombre de cursus en anglais et l'octroi de 700 bourses d'études à travers le monde. Contrairement à Bénédicte, Presse Adigo et une poignée d'autres étudiants ivoiriens ont bénéficié de cette bourse complète d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Scolarité, argent de poche et assurance maladie inclus. Cette bourse nous permet d'étudier dans les meilleures conditions qui soient. Nous sommes bien logés, nous avons les cours qui nous sont payés. Les notes, c'est sur 100, bon, nous demandons 70 points. Et 70 points, quand je calcule en moyenne dans notre pays d'origine en Côte d'Ivoire, c'est comme si l'élève avait 14 de moyenne. Même si tu as jusqu'à 13,99 pour te faire reprendre la classe. Si la qualité de formation en Corée du Sud attire davantage d'étudiants ivoiriens, l'économie du pays, la 11e du monde, avec un PIB estimé à 841 500 milliards de francs CFA, attire, elle, de nombreux investisseurs. Lui, c'est Memel Achori, un entrepreneur ivoirien qui s'est lancé il y a une dizaine d'années dans un secteur méconnu en Corée, la restauration ivoirienne. Il n'y a vraiment pas d'autres bars ou restaurants tenus d'abord par un Ivoirien ici en Corée. Il n'y a vraiment pas aussi d'autres bars tenus par des Africains. Voilà, ici en Corée. Donc, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a une maîtrise de toute la communauté qui se regroupe au sein de ce bar parce qu'ils se sentent chez eux à la maison. Mimel s'est bâti une renommée dans tout le pays. Son restaurant-bar, basé dans la ville périphérique de Songtan, est devenu le carrefour de toute la communauté africaine et au-delà. Koulibaly Ahmed est un habitué du restaurant-bar de Mimel. Cet ivoiro-américain recruté dans les forces spéciales américaines en Corée est fier de retrouver une partie de sa culture. Ça m'amène à voir l'ambiance du pays. On a toujours envie de manger la teke, hein, avec du poisson braisé. La banane, tout, voilà quelque chose qu'on retrouve, c'est extraordinaire. La clientèle de Mimel est aussi diversifiée que ses mets. On y trouve de tout, principalement de la tiké, le mets le plus demandé. Coût d'investissement de ce business, 50 millions de francs CFA. Un chiffre d'affaires annuel d'une centaine de millions de francs CFA par an, avec à la clé une quinzaine d'emplois créés. Je suis arrivé et j'ai étudié les possibilités. Ma chance m'a souri et tout est parti. Je dis ça chaque fois le matin quand je me réveille. Je me regarde et je pense que je suis aussi un modèle de réussite pour toute personne. Parent de deux enfants, Mumel et son épouse Kim envisagent d'agrandir ce business. C'est d'ouvrir des franchises ici. C'est de faire connaître la cuisine ivoirienne au peuple coréen. C'est de faire savoir qu'en Côte d'Ivoire aussi, nous avons certaines qualités. La diaspora ivoirienne, l'une des plus petites communautés africaines en Corée, ne compte qu'une centaine d'Ivoiriens. L'exemple de Mimel ne coupe pas les rues. Yakuba Bamba n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, il s'est lancé dans le secteur de l'import-export. En situation régulière depuis 2 ans, Yakuba n'a pas pu se rendre en Côte d'Ivoire pendant 16 ans. Nostalgique, il envisage de retourner dans son pays. Enfin, je suis en Corée, mais je pense chez moi. Oui, de tout chez nous, c'est un bon pays. Seulement, on avait les difficultés.
Sinon, pas ça, je pense chez moi à tout moment. 16 ans, c'est pas facile. Je vois mes enfants, ils parlent seulement la langue coréenne. C'est pas mon souhait. Mais je pense, bientôt même, je pense pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a deux sortes de, disons, de candidats qui viennent ici en Corée du Sud. Il y a au moins une trentaine d'étudiants ivoiriens qui sont bénéficiaires de bourses, de la coopération coréenne. Il y a aussi des Ivoiriens qui viennent, vous savez, à l'aventure, comme ils disent ici, c'est chercher. Et donc, ils viennent là et puis ils travaillent. La Corée a besoin de main-d'œuvre. La population coréenne vieillit. Et donc, il y a un problème d'emploi. De Bénédicte. Ouais, il y a un parti qui m'a pour nous, m'a entendre. Où elle dit que Corée besoin de main-d'œuvre. Ouais, parti ça important pour nous entendre. Ouais, m'a seulement retourner vidéo. Nous parlons entendre côté que monsieur en lui-même dit ça. C'est juste pour nous, pour nous qu'à décider. C'est juste pour nous décider pour nous connaître qui ça n'a fait parce que là nous est toute bagaille clair devant nous là. Nous va loin, nous va attendre le que le dit ça que Corée lui-même lui besoin main d'œuvre. Vous savez à l'aventure comme ils disent ici, c'est chercher. Et donc ils viennent là et puis ils travaillent. La Corée a besoin de main d'œuvre. La population coréenne vieillit et donc il y a un problème d'emploi. De Bénédicte à Yakuba en passant par Mimel. Chacun des acteurs de cette diaspora joue sa partition, qui dans l'économie du savoir et qui dans les affaires, avec pour finalité le développement économique de la Côte d'Ivoire. Bon là nous entendons toute bagaille. C'est-à-dire que là nous ouais toute bagaille nous entendons. C'est nous-mêmes qui avons décidé parce que choix n'a mais nous lié parce que nous ouais c'est un très bel pays. Décider bon tant que on monde même lié Saint-Domingue li al bon li rete Haïti et ceci le gen moyen en mel essayer avec pays ça ou même plus parler avec moun ki Haïti ou vraiment Saint-Domingue parce que me connais ou même ki Brésil ou déjà Brésil il suffit que ou chercher yon moyen pour ka avancer bien que me connais que si que ou al Corée ou ap viv tout c'est ou même ki pral décider prend son pour décider et yon nan pi gros conseil que me genyen parler pour konn ouais parler pour konn mettez tête nous ensemble allez dans commentaire là. Pendant que vous regardez vidéo ça écrit dit qu'on t'a remis aller qui est-ce qui voulait accompagner ou même écrit moun qui dit ça parlez ensemble avec elle mettez tête nous ensemble après nous faire ça mettez tête nous ensemble pour nous aller pour nous pas à laguer comme nous pour nous parce que Corée parler une langue que nous même nous pas parler mais seulement si qu'on parler anglais si qu'on parler anglais ou gagne un pile avantage commencez à mettre anglais sous. Commencez à mettre en gloire et ceci prend ça vite, fait ça, fait ça vite. Parce que puis devant, ou pas qu'on a passé, ou pas qu'on si que le trois haïtiens allaient ou pas changer. Bagaille, j'en que vous faites pour Chili, j'en que vous commencez à faire pour Brésil. C'est-à-dire, puis écoute, prend devant. Bon, si vous aimez la vidéo, ça partagez, like-li. Partagez-le comme ça plus pour qui n'a nécessité pour voyager à connaître que Corée lui-même, c'est un pays côté que si vous allez, il y a gagné une meilleure condition de vie. À la prochaine.